Voici une famille comme beaucoup d'autres. Dans cette famille, on connaît bien la peau atopique. Une peau atopique, c'est quoi? La peau atopique est caractérisée par une inflammation chronique et une sécheresse sévère de la peau. En manque de lipides et de protéines, la barrière cutanée est perméable aux molécules allergisantes et aux staphylocoques dorés. Peau atopique, ça touche qui? La population touchée par la peau atopique a triplé en 30 ans. En France, sur 800 000 naissances par an, 480 000 nourrissons ont la peau sèche et 20% seront sujets à la peau atopique. Les risques pour qu'un nourrisson ait la peau atopique sont de 30% avec un parent atteint et 70% si ses deux parents sont atopiques. Comment freiner l'aggravation des sécheresses cutanées dès la naissance? Utiliser des produits de toilette ultra doux, appliquer régulièrement un soin émollient complémentaire dès les premières semaines de la vie, éviter tout type d'allergène, les ambiances sèches ou surchauffées, les tissus synthétiques, le soleil et le froid. Pour freiner l'aggravation des sécheresses cutanées, tout se joue dès la naissance. Et pour les peaux atopiques, il existe des solutions.